これが最後の月牙天章だ。Salut à tous, bienvenue aujourd'hui pour un nouveau tout petit sujet sur Bleach Brave Souls. Petit sujet en effet, puisqu'aujourd'hui nous avons eu depuis 17h, effectivement, si vous n'avez loupé aucun jour, le dernier jour justement concernant la célébration relative aux 4 ans. Et normalement, vous avez dû, encore une fois, si vous n'avez loupé aucun jour, vous avez dû obtenir votre ticket 5 étoiles garanti. Naturellement, j'ai eu le mien, bah du coup, on va découvrir ce qu'il y a dedans. Bon, dans ce genre de ticket, ça va commencer à devenir compliqué de pouvoir piffer de l'inédit, mine de rien, quand tu commences à avoir une certaine complétude de l'album, bah c'est très souvent des doublons qui tombent. On va espérer quand même pouvoir tromper un inédit, comme vous pouvez le voir, les orbes remontent tranquillement mais sûrement, donc on espère effectivement avoir une petite aide supplémentaire au travers, pourquoi pas, d'un inédit dans ce ticket-là. On rappelle qu'effectivement, les persos des 4 ans, Ichigo Basto et Ichigo Mugetsu, sont également droppables dans ce ticket-là, puisque ce sont des persos de la Premium, donc pourquoi pas, si on devait se prêter à avoir un petit rêve fou, voyons voir, sans plus attendre, ce que ça nous réserve. Ah, c'est Yukio de Seymour. Et attends, en plus, je crois que c'est pas le bon. Ah si, c'est l'orange. Je crois que c'est l'orange. Oui, c'est l'orange, ça va. C'est une demi-déception. Mais bon, je l'ai eu deux fois pendant le step. Donc ce qui fait qu'il va passer ce P3. Bon, tu me diras, si je dis pas de bêtises, qu'il me semble qu'effectivement, niveau 200, il est hybride et qu'il a un bombardement. Donc quelque part, avoir des doublons en plus pour valoriser davantage de bombardement, c'est pas totalement déconnant. Bon, ça va. C'est en demi-teinte, mais on aurait pu avoir bien pire. Oui, voilà, il vient de passer ce P3. Donc c'est bien ça, effectivement. Bon, un jour, j'envisagerai peut-être aussi de le passer au niveau 200. Ça pourrait avoir du sens. Donc voilà, pas de new pour moi. Mais n'hésitez pas vous-même à utiliser le champ commentaire situé sous la VOD pour me dire un petit peu ce que vous avez pu obtenir grâce à ce fameux ticket. Est-ce que pour vous ça a été comme malheureusement beaucoup de personnes, effectivement, peut-être même des anciens joueurs, est-ce que ça a été un ticket doublon garanti comme on a l'habitude de le dire, ou est-ce qu'au contraire le ticket vous a plutôt bien mis? Vous avez le champ commentaire, exprimez-vous, n'hésitez pas. Merci à vous d'avoir choisi de suivre ce tout petit sujet, je vous souhaite bien sûr de passer une très bonne journée, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt, des bisous tout le monde, ciao.